Obsèques de France Gall, le beau geste de Laetitia Hallyday au nom de Johnny. Le dimanche 7 janvier, France Gall a rejoint le paradis blanc, comme l'avait annoncé sa chargée de communication à l'AFP. Après 2 ans de combat contre la récidive de son cancer, la chanteuse s'est éteinte à l'âge de 70 ans. Après un hommage au funérarium du Mont-Valérien, son cercueil a été mis en terre vendredi dernier au cimetière de Montmartre. Elle repose désormais dans le tombeau familial auprès de son époux Michel Berger et de leur fille Pauline. Lors de la cérémonie, organisée dans l'intimité en fin d'après-midi, plusieurs célébrités avaient été aperçues, Jeanne Birkin, Mathieu Chedid, la chanteuse Cécile Cassel, Pierre Lescure et le fils de France Gall et Michel Berger, Raphaël Hamburger, étaient évidemment présents, tout comme le dernier compagnon de la chanteuse, Brudoy. D'autres n'avaient en revanche pas pu faire le déplacement. Julien Clerc, par exemple, était en concert à Longjumeau, dans l'Essonne, ce jour-là. Le chanteur, qui avait vécu une histoire d'amour avec France Gall, lui a rendu hommage sur scène en interprétant « Souffrir pour toi n'est pas souffrir », une chanson qu'il avait composée après leur rupture. Laetitia Hallyday, dévastée depuis la mort de Johnny, n'avait pas non plus pu être présente au cimetière Montmartre. Mais comme le montrent des photos prises devant le tombeau, elle lui a rendu hommage à sa manière. Un magnifique xur composé de fleurs blanches a été déposé vendredi dernier devant le mausolée en verre des Hamburger, avec un ruban sur lequel on peut lire Johnny, Laetitia, Jade et Joy. Grâce à sa femme, le rocker rend donc un hommage posthume à France Gall, dont il était proche. Dans son livre, Dans mes yeux, Johnny Hallyday racontait qu'il avait fait connaissance avec Michel Berger, l'homme qui lui a offert certaines de ses plus belles chansons. Grâce à elle, j'ai rencontré Michel Berger par le biais de Nathalie Baye, sa compagne de l'époque, ND et LR. J'avais besoin de me renouveler et Nathalie était très amie avec France Gall. Très proche du compositeur, Johnny avait gardé le contact avec sa veuve, « J'ai eu très mal quand il est mort. Beaucoup de peine. Je vois France de temps en temps. Quand on rend hommage à Michel, je suis toujours là. Et c'est assez logiquement que, pour sa toute dernière apparition sur scène, en 2000, France Gall avait chanté en duo avec le rocker sur Quelque chose de Tennessee, une chanson écrite par Michel Berger.